Kyoto. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes comment bien préparer du matcha. Pour commencer, il y a trois essentiels. Un, c'est le chasen, qui va vous aider à mélanger le matcha avec l'eau. Le deuxième, c'est le chafan. C'est une cuillère pour le matcha. Et le troisième, c'est le chawa, c'est qui le bol pour le matcha. Évidemment, vous avez besoin aussi de deux ingrédients. Un, c'est votre matcha cérémonial et deux, c'est l'eau. Au Japon, il y a trois grands écoles d'été. Dans notre pays, c'est de toujours respecter la philosophie du thé, mais nous avons tous notre propre style et manière à démontrer le thé. Moi, je viens de Kurasaki. Notre époque style à notre style, c'est beaucoup de la forme vraiment crémeuse et mousse. On aime beaucoup les kimonos qui ont beaucoup de formes et de design. À la fin, vous allez rencontrer plusieurs personnes qui ont leur propre style de thé. Gardez toujours un esprit ouvert parce que nous sommes entraînés par les différents professeurs. On est dans différentes écoles. Et à la fin de la journée, c'est l'été qui compte.
Bonjour, mon nom est Han Li, maître du thé de la cérémonie du thé Confucia depuis plus de 17 ans. La cérémonie du thé Confucia, c'est une façon d'apprêter et de servir le thé d'une manière traditionnelle à la chinoise taïwanaise. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de la cérémonie du thé Confucia et vous expliquer à quoi ça sert tous ces éléments. Afin de démontrer cette cérémonie du thé, nous allons utiliser aujourd'hui le thé qui s'appelle Fangqing Jianghong. C'est un thé de réserve et c'est un thé de la première école du printemps, composé principalement de bourgeons du veto doré.
dans la cérémonie du thé Confucia, au-delà de l'art, chaque étape, chaque geste, chaque rituel a un but qui permet d'infuser et d'obtenir le meilleur du thé. La première étape de cette cérémonie consiste à mettre les feuilles de thé dans la théière. Une théière traditionnelle contient 250 ml d'eau et pour infuser, on doit utiliser 5 g de feuilles de thé. Ensuite, on va rincer les feuilles de thé en faisant une infusion courte de 5 secondes et moins. Et ensuite, on décante l'eau. On laisse reposer les feuilles de thé une trentaine de secondes afin de permettre aux feuilles de thé, avec la chaleur résiduelle ainsi que l'humidité résiduelle, de s'ouvrir un peu plus. Ainsi, lors de la pré-infusion, les feuilles pourront donner autant de l'intérieur que de l'extérieur et de permettre une infusion égale. Avec l'eau de la première infusion qui était destinée au rinçage, nous allons pouvoir rincer et réchauffer les tasses. L'excédent peut être utilisé pour nourrir un petit fétiche afin de nous porter chance ou quelque chose comme ça. C'est juste la superstition, mais dans la culture traditionnelle chinoise, ça fait partie de la cérémonie du thé. Par la suite, on jette l'eau de ces tasses-là et on fait une vraie infusion avec laquelle on va servir le thé. Alors, le service consiste à mettre le thé dans la tasse élancée, ensuite de prendre la tasse plus courte, mettre par-dessus et de tourner d'un coup sec. Ensuite, twister légèrement, sentir le parfum du thé et de siroter le thé. Ainsi, on savoure le thé. Dans la cérémonie du thé Confucia traditionnelle la plus élaborée, nous avons toujours deux tasses. Une qui s'appelle la tasse à renifler et l'autre qui est la tasse à boire. Alors, le principe consiste à verser le thé dans la tasse à renifler tout d'abord, ensuite de le transvider dans la tasse à boire. Une fois que le thé a été transvidé, l'humidité résiduelle va s'évaporer et le parfum va se dégager. C'est pour ça qu'on utilise cette tasse pour sentir le parfum du thé. Parce que les molécules d'arôme sont volatiles et la tasse qui est plus étroite fit notre nez de sorte à nous permettre de mieux sentir son parfum. Tandis que la tasse à boire, c'est dans la bouche, la langue. Ainsi, le processus de consommation se déroule en deux étapes. La première qui consiste à sentir le parfum du thé, suivi de la consommation. De la sorte, tous nos sens sont rehaussés et sont saturés du parfum ainsi que du goût du thé. C'est ainsi que se résume la cérémonie du thé Confucia. Chaque maître, chaque région, telle la Chine, le Vietnam, Taïwan, va exécuter la cérémonie du thé d'une manière légèrement différée selon leurs coutumes, leurs modes, leurs habitudes. Ce qui est important, c'est de bien préparer le thé au niveau technique, scientifique, pour permettre une belle infusion du thé. Le plus important, c'est de jouir du moment et d'apprécier le thé en bonne compagnie. Merci beaucoup. Thank you.
je vais mettre un gras comme ça encore. Encore un. Hein?